Salut à tous, c'est Serge Tamba. Je voudrais dire à mes frères qui m'ont établi en Occident que je ne vous souhaite pas le malheur. Mais je voudrais quand même vous poser une question. On a tout le temps dit que ça ne va pas au Cameroun, que c'est mauvais, que le Cameroun est pourri. Vous décidez de revenir. Revenez, on vous attend. Revenez, on vous attend. Mais quand vous revenez là, ne venez pas donc polluer le Cameroun pour dire après que ce sont les Camerounais d'ici, c'est Paul Biya. Le président de la République a été attaqué là-bas. La diaspora. Combien est-ce que vous êtes levé pour défendre ce président de la République? Maintenant, vous revenez. Vous comprenez que on ne peut être mieux nulle part que chez soi. Pourquoi est-ce que vous fuyez le coronavirus là-bas? Vous venez ici. Mais il y a tout là-bas, il y a tous les hôpitaux là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux ici, il n'y a pas de médecins ici, rien ne fonctionne ici. Mais vous venez faire donc quoi ici? Si ça vous attrape ici, qui va vous soigner? Vous irez dans quel hôpital? Donc, vous vous rendez compte que le Cameroun est sucré et bien? Je suis content de cette prise de conscience là, de cette réalité. La nature, Dieu que vous voyez là, est bizarre. Je parle vraiment à mes frères camerounais pour vous demander, en venant là, vous venez nous faire du mal, ou vous venez qu'on reste tranquille, en paix, ou vous venez chercher la sécurité, la santé, vous venez, je veux comprendre un peu. Vous avez dit que c'est dangereux ici, c'est mauvais. Donc, coronavirus est plus mauvais que Ambazonie, que tout ça là, que Boko Haram? C'est la question que je veux savoir. Mais comme personne, on peut refuser à personne de rentrer chez lui. Mais rassurez-vous que vous n'êtes pas aussi des cobayes et que vous venez nous donner cette histoire-là. Parce que nous n'avions pas ça ici. Voilà donc les pays que vous avez dit qui sont meilleurs, qui sont bien par rapport à l'Afrique, par rapport au Cameroun. Voilà ces pays-là qui sont en train de finir les Noirs. Les Noirs sont en train de partir de Chine, partir de l'Europe, partir des États-Unis. Mais si on décide donc de fermer les frontières et que les Camerounais n'entrent pas chez eux, vous allez vous dire que quoi? Que Biya est toujours, il est quoi? Génocidaire, qu'il est méchant. Et en même temps, je voulais quand même poser la question. La basse, vous êtes tellement fort, combattez donc le coronavirus là-bas. Si Paul Biya vient là-bas maintenant, le président de la République du Cameroun, Paul Biya vient là-bas, vous allez lui interdire les meetings, vous allez encore manifester, vous irez casser les ambassades, vous verrez. Si M. Kamto vient, vous irez au meeting, comme vous l'aimez beaucoup, arrêtez un peu votre histoire là. Personne ne peut être mieux que chez soi. Moi, j'ai refusé de travailler en France. J'ai refusé de travailler en France parce que j'avais dit, il y a affaire dans mon pays. Alors, je vous pose la question. Vous venez au Cameroun, le Cameroun est bien maintenant, il est sain, tout a été soigné. Nous, on a quand même soigné 2 cas ici, on a guéri 2 cas. Mais on veut savoir combien, là où il y a les hôpitaux, tout, combien vous avez guéri. Alors, respectez les institutions, respectez votre pays, respectez le président de la République, respectez les autorités, respectez les Camerounais qui vivent chez eux, qui sont dans les villages, comme je suis au village là. Regardez. Donc, je veux encore vous poser la question. Donc, vous saviez que vous pouviez rentrer chez vous? Vous avez dit que vous êtes des Français, vous êtes des Allemands, des Belges, vous êtes des Américains. Donc vous rentrez, vous voulez rentrer au Cameroun. Le Cameroun est bien, le Cameroun est plus mauvais. Il n'y a pas d'hôpitaux ici, il n'y a pas de route. Vous viendrez rouler où? Vous allez vous soigner où? Vous irez dans quelle école? Moi je suis là, regardez, je circule, regardez la nature. Oui, regardez, regardez, regardez. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que vous faites au Cameroun là, ce n'est pas sérieux du tout. Ce que vous avez fait à la nation camerounaise là, c'est pas. Est-ce que le coronavirus est parti d'ici? Même Ebola qui est parti d'ici, on n'a jamais fui notre pays. Mais il y a coronavirus. Vous fuyez? Mon Dieu, c'est terrible. Là, le Cameroun est bon. Ah, j'adore le vert au jaune. J'adore mon pays.